Le roi de Yutian aime tellement la soie qu'il l'a fait venir par caravanes entières de la Chine, son puissant voisin. Il la paye avec du jade dans son pays de gorge et, dont les Chinois raffolent. Seulement, le problème, c'est que le jade s'épuise. Le roi s'en rend compte et il perd et le sommeil et l'appétit. Son fidèle ministre Wang s'en aperçoit aussi. Alors il veut aider son roi. Mon roi, pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas en Chine des émissaires pour rapporter des œufs de verre à soie? Mais je le sais, j'ai déjà essayé plusieurs fois. J'ai envoyé des missions secrètes et aucune n'a réussi, tant les contrôles à la frontière sont rigoureux et les peines épouvantables. Mais alors, mon roi, j'ai une idée. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas en mariage une princesse chinoise? Elle pourrait, à l'insu de tous, rapporter des cocons. Ah, oui. Le roi approuve, d'autant que la réputation des Chinoises est bien établie, elles sont jolies et elles sont très raffinées. Alors Wang part pour la cour de Chine. Là, il demande audience à l'empereur et lui expose sa requête. L'empereur, lui aussi, est très intéressé parce que ce pays du Nord-Ouest pourrait servir de tampon entre les Mongols qui envahissent périodiquement son pays et la Chine. Alors, aussitôt, est mis en place un rite divinatoire pour choisir et la bonne princesse et la date du mariage. Et le sort tombe sur Luxi. Aussitôt, les préparatifs du départ s'organisent, les cadeaux, la dot, et Luxi doit choisir les suivantes qui l'accompagneront dans son exil définitif. Et ministre Wang arrive à rencontrer secrètement Luxi. Princesse, mon pays a du jade mais pas de soie. Est-ce que vous ne pourriez pas emporter à l'insu de tous des cocons et nous apprendre les secrets de la fabrication de la soie? Vous n'y pensez pas. Les contrôles aux frontières sont trop stricts. Même moi, avec mon rang, je serai immédiatement condamnée à mort. Oh, princesse, vous ne pouvez pas briser le cœur de votre époux. Nous ne vous demandons ni dot, ni argent, juste quelques cocons. J'ai peut-être une idée. Après tout, cela me dit, puisque je ne suis qu'une monnaie d'échange, je vais prouver qu'on peut aussi échanger des savoirs. Mais il ne faut plus que nous nous retrouvions. Ça pourrait éveiller des soupçons. Et le jour du départ arrive. Luxi est songeuse. Elle sait qu'elle ne reverra ni son pays, ni sa famille, ni ses amis. Elle ne le reverra jamais. Mais elle n'est pas la première à servir de sceau d'alliance. Alors, elle n'a qu'une chose à faire, c'est obéir. Et la caravane s'ébranle.
pendant de nombreuses semaines, elle va, et elle arrive à la frontière. Et là, un officier, à la mine impassible et sévère, examine tous les bagages dans leur moindre recoin. Même le chapeau de Wang est examiné sous toutes ses coutures. La princesse est impassible. Ministre Wang se dit que sa mission a échoué. La princesse n'aura pas voulu contrevenir aux ordres de son terrible empereur. Et la caravane repart. Pendant la traversée du terrible désert de Taklamakan, Wang s'approche de Luxi. Princesse, je suppose que vous n'avez pas les œufs. Je les ai, mais votre manque de confiance me peine profondément. Sachez qu'une princesse chinoise n'a qu'une seule parole. Souvenez-vous-en, vous serez bientôt à mon service. Wang baisse la tête, la réprimande est sévère. Mais vous vous demandez peut-être où j'ai bien pu cacher les œufs. Sachez que personne n'a le droit de toucher au crâne une personne de mon rang. Et plongeant ses longs doigts fins dans sa chevelure, elle en sort des œufs ouverts à soi. Oh ! Dit-elle, ils sont sur le point d'éclore. Ils auraient été capables de manger toute ma chevelure. Wang se rend compte alors qu'il amène à son roi une grande princesse, intelligente, jolie et dotée d'un très bon caractère. Alors il dépêche un coursier à son roi pour qu'on prépare une arrivée en fanfare pour cette princesse qui va devenir la reine du Bhoutan. Et le long fil de soie continue de se dérouler vers l'ouest, toujours plus loin vers l'ouest, incitant les hommes à échanger leur savoir, leur richesse et leur espoir. Wow.